Eh bien, salut tout le monde, c'est Mother. On se retrouve pour l'épisode 15 de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode et nous allons commencer tout de suite le temple. Alors, là-bas, il y a une sculpture là, non? Non, il n'y a pas de sculpture là. Tiens, on va avoir une... Hop, donc quelque chose de bien, c'est qu'on peut... C'est qu'on a le gravin et donc ça va pouvoir un peu nous faciliter la vie des fois. Alors, normalement, il y a une clé. Attendez, une chose très importante avant que j'oublie, c'est de remettre Excalibur. N'empêche, on avance bien dans la lecture, on est déjà à l'épisode 15, quand même. C'est vraiment pas mal, hein. Donc là, on attaque le temple de la forêt. Vous l'entendez? Où est-ce qu'elle est? C'est une sculpture d'or, c'est parfait, ça. Bonjour, je sais même pas combien on en a, d'ailleurs. Vas-y, récupère-le. Donc, je vous rappelle qu'on vise au moins 30, ce qui serait déjà pas mal. Nous en avons 21, c'est déjà pas mal, franchement. Oui, on en a vraiment pas mal. Alors là, il y a normalement un coffre avec une clé. Alors, ne pas se fail, comme d'habitude. C'est bon. Là, normalement, il y a une clé. Donc, les clés. Ah oui, les clés. Oui, parce que maintenant, nous sommes dans les donjons un peu plus complexes, maintenant que nous avons passé à la deuxième partie du jeu. Et donc, il y a des clés. Ce qu'il n'y avait pas dans les trois premiers temps. Donc attention à ça quand même. Faudrait pas en oublier sur le passage parce que sinon bah on est un peu dans la merde. Faudrait se retaper des morceaux du temple si on oublie des trucs et tout. Donc attention à ça. Tout simplement. Alors. Vas-y, descends toi. Voilà, c'est bon. C'est parti. Bonjour, bonjour. Et l'ascenseur descend. La salle du boss est en dessous et on a besoin de cet ascenseur, mais les flammes se sont barrées avec les quatre. Les quatre d'ailleurs qui sont la confrérie des esprits, pour ceux que ça intéresse, le nom c'est bien la confrérie des esprits. Donc là d'ailleurs c'est un peu plus sombre ici. Alors attention parce que ici j'ai des mauvais souvenirs parce que l'émulateur crash à cet endroit précis. Alors attendez, on va juste, je vous reprends ici parce que à mon avis ça va crasher. Donc je vais le charger une fois et quand je vais le recharger ça ne va pas cracher. À tout de suite. Crève, crève. C'est bon. Alors, attendez, est-ce que ça va crash? Évidemment, le jeu me troll. De toute façon, je filme toujours. Du coup, bah, ça n'a pas crash en fait. Donc, absolument pas d'ellipse. En fait, j'ai coupé les fichiers. Hein. J'ai coupé les fichiers, mais du coup, bah, ça n'a pas crash. C'est magnifique, le jeu me troll, mais en même temps, j'ai fait une sauvegarde rapide, c'est peut-être pour ça. Parce que d'habitude, en fait, j'en fais jamais. D'habitude, non, il y avait une fée, j'y crois pas. Ah bah si, en fait, non, j'ai trop, je suis con. Alors attention, parce que là, du coup, c'est un miss. Ce sont, oui, hein, on va dire un mini-boss. Ils font un petit peu mal. Le salaud. On va se concentrer. Donc, ce qui est bien, c'est que le deuxième n'attaque pas tant que son copain n'est pas mort. Attention à notre vie, attention à notre vie. Yes, c'est de 1. Ce serait bien qu'il me donne des cœurs. Donne des cœurs, s'il te plaît, merci. Tu m'as pas donné de cœurs, c'était vraiment très sympathique, mon ami. Bonjour. Donc, l'utilité du bouclier lien est là. Donc, on aurait pu le faire avec plus vigoureux, c'est vrai. Mais bon, on va utiliser un peu l'épée de légende quand même. Donc, faut bien se protéger. Et dès qu'il a frappé, on peut attaquer. Donc ça, ce sont des Stalfos, hein. Et c'était des noms mojo, mais super ton cadeau, mon pote. Super. Donc là, je crois que ça va être la carte. Ah non, c'est... Non, pas du tout, en fait. C'est un coffre avec une clé. Donc la première partie du donjon, avant d'entrer vraiment dans le donjon, on va devoir récupérer pas mal de clés. Voilà. Vous trouvez une petite clé. Parfait. Du coup. Hop.
Ah oui, du coup, il est lui là, qui est revenu. Oh puis merde, c'est on va le snober, on s'en fout de lui, mais alors. Link, passe la porte. C'est bon. Ah, je suis là. Bonjour. Bonjour, c'est gratuit. Hop, on va récupérer donc notre 22e, ce qui est déjà pas mal. Par contre, on a pris un peu cher avec les combats contre les copains là, c'est pas super. Alors, non, c'est pas là. À gauche, c'est pour beaucoup plus tard. On vient d'où déjà? On vient de là-bas, nous. Nous, on vient de là-haut. Là, à gauche, à droite, c'est plus tard. Là, c'est l'entrée du temple, mais déjà, faut faire les côtés. Donc là, d'ailleurs, il y a un bloc du temps. C'est parti pour un champ du temps. Alors, c'est comment déjà? Voilà. Perfecto. Hop. Alors, continuons ce temple. Voilà. Donc là, on est dehors. Attends, c'est encore une grosse fleur. Donc là, on l'a paralysée. Et là, allons la défoncer. Super. C'est pas du tout ce que je vais faire. Mais frappe du bon sens, espèce d'abruti. Merci. Attention, il y a des machins. Donc ça, c'est pour après. On va déjà aller voir là-bas. Non, là, on pourra pas y aller. Il y a de l'eau, ça, je le sais. Ah, mais t'es malade, mec. Excusez. Il y a des sculptures là, c'est un peu ça le problème. D'où l'utilité d'avoir le grappin en fait, parce qu'on peut un peu les snober en fait. Attendez, je me rapproche un. Ah, il y a un cœur, il y a un cœur. C'est bon. Mais sauvé, il y a un cœur. Nous sommes sauvés. Enfin, sauvés absolument pas, mais c'est pas grave. Allons-y. Alors attends, je voudrais juste pas qu'il. Bah voilà, c'est un fail. Merci Link. Tu es vraiment très doué aujourd'hui, décidément. Oui, bouge pas. Il doit être un peu bourré aujourd'hui. Mais accroche-toi. Des guides d'une volette, c'est qu'ils entendent quelque chose. Même si on y va à un pas par un pas, c'est toujours bien. Rebonjour le camion. Je pense que vous l'entendez, hein. Moi je l'entends en tout cas. Après je sais pas si le son du camion va quand même dans le micro ou quoi. Il vient de battre copain, bonjour. Crève. Perfecto. Perfecto, perfecto. Donc là, ça devrait être la carte, normalement, cette fois-ci, c'est la bonne, normalement. Normalement. Voilà. Merde, c'est de l'autre sens, magnifique. Oui. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être la carte. Voilà, c'est la carte du donjon, qui n'est pas très grand. Je crois que c'était... Je crois qu'on est arrivé de là-bas. Hein. Normalement, ça doit être... Ça doit être par ici, je crois bien. C'est par ici. Attention, je ne l'avais pas vu, bonjour. Hop. Ah, il y a encore une sculpture de merde. Hop. Ça, c'est une prise pour grappin. Hein. Que vous vous demandiez ce que c'était... Accroche-toi. C'est bon. Ce con m'a fait peur. Il est pas doux aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a. C'est pas grave. Donc là, on enlève l'eau et du coup, on l'a enlevé de l'autre côté. Mais vous voyez qu'il y a une échelle. Je pense que vous l'avez vu. Mais abruti, pourquoi t'as appuyé dessus? Bon, c'est... Oui, je sais pas. C'est l'épisode de Link pas doué. Je crois bien. Ne rappuie pas dessus. Ne rappuie pas dessus. C'est bon. Alors par contre on n'a plus que 3 coeurs, c'est un peu dommage ça. YOLO. Ah, une grosse baba. Oh merde. On est dans la merde. Run. Merde. Y'a l'autre à côté, barrons-nous, cours, cours. Run, merde. Cage. On est bas en vie. C'est tout à fait génial. Pardon.
Continuons, continuons. Normalement, il y a des cœurs, on va. Si je me souviens bien, il y a des cœurs. Et il y en a notamment une clé où il y a des cœurs. C'est parfait. Des cœurs, donnez-moi des cœurs. Je crois qu'il y en a deux ou trois, là. Deux. C'est toujours bien. Ouais, c'est les Stalfos qui nous ont mis mal, hein. Donc là, il y a une clé, normalement. Du coup, trois clés, hein, déjà. Donc, c'est beaucoup, déjà. Puis, c'est un temple que j'aime vraiment beaucoup. Le boss, l'objet, et une des particularités de ce donjon que j'aime beaucoup. Vous allez voir. C'est vraiment un donjon vraiment génial. Hein. Franchement, voilà. Ça doit être quand même... Ouais, c'est pas... Le boss n'est pas mon boss préféré en adulte. Mais, il est... vraiment pas mal, et le temple en lui-même est vraiment génial. C'est peut-être vraiment quand même mon temple préféré en adieu, notamment par l'objet, parce que l'objet, je l'adore. Voilà, je le dis, j'adore l'objet de ce donjon. C'est d'ailleurs mon objet préféré dans les Zelda. Ceux qui le savent, ben vous le savez, mais je ne dirai pas c'est quoi, vous allez voir tout à l'heure, puisque de toute façon nous allons devoir affronter la confrérie des esprits. Donc là, on arrive dans la première vraie salle, on va dire. Donc on a fait tout l'extérieur du donjon. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer ça. Ce serait peut-être... Pardon ? Comment dire ? Je me suis fail. Je me suis fail ! C'est l'extérieur de ça, c'est... Oui, non, mais l'extérieur du donjon, on revient à l'extérieur et en plus à l'entrée. Mais magnifique ! C'est Link le boulet aujourd'hui. Non ! C'est bien, hein. C'est Link le boulet, je ne sais pas, je vais peut-être aller trop vite. Je sais pas. C'est pas grave. C'est Link le boulet, simplement. Voilà. Comment dire? Je ne sais pas. Ce n'est pas très grave, continuons. C'était à gauche, hein. Je suis sorti du mauvais côté. C'est pas grave. On va récupérer quelques cœurs au passage ici, parce que je crois que ça peut potentiellement quand même faire mal la salle de... La salle. Ça, c'est de la magie, hein, je le rappelle. Hop. Donc la première clé. Hop. Bonjour à Sculptula. Salut à Sculptula. Fais-moi des cœurs, s'il te plaît. D'accord. Merci bien. Absolument pas de cœur, c'est d'une impolitesse. C'est d'une impolitesse, mais alors. Vas-y, viens. Crève. Arrête de bouger. Foiré. Il m'a marqué au pire. Barre-toi, je m'en fous de toi. Donc là, on arrive dans une énigme. Enfin, dans une énigme. Si on veut. Alors. Regarde, il y a des flèches peintes sur le sol. Franchement, il faudrait des faux. En même temps, on voit que ça, j'ai envie de dire. Bah on a compris ce qu'il faut faire, hein. faut pousser le bloc. Enfin, là il faut le tirer, puis normalement il va y en avoir un à pousser. Enfin, il va être poussé celui-là. Hop. Donc, le temple, je le connais bien, il devrait pas y avoir trop de soucis là-dessus. On va dire que le plus chiant, c'est peut-être de frapper la confrérie des esprits. C'est ouais, c'est peut-être potentiellement le plus embêtant. Notamment le dernier de la l'avant-dernier de la confrérie des esprits qui est absolument chiant. Voilà, je le dis, il est juste horrible. Enfin, son énigme est horrible. Il est pas chiant, mais son énigme est un petit peu horrible des fois si on n'est pas assez rapide, ça peut être un peu emmerdant. Donc sinon les deux premiers ça va, le troisième pour connaître la technique. Et sinon bah, ça va, simplement. Bon, continuons. Hop, vas-y grimpe. C'est bon. Alors, ensuite, là il y en a un normalement. Mais il me semble qu'il va falloir le pousser déjà. Mais de toute façon, il va falloir le pousser. Je pourrais pas aller jusqu'au bout. Prenez de l'autre côté donc. Puis après, il faudrait que je le pousse par ici. C'est pour ça qu'il y avait une échelle en bas notamment. Alors, elle était pas où l'échelle, elle était là-bas. Hop.
Donc je rappelle aussi que la tenue n'a absolument rien à voir dans ce temple là, bien évidemment. J'aurais pu mettre n'importe laquelle dans celui-là. Là c'est le bloc de tout à l'heure qu'il faut donc pousser. C'est bien la tunique du héros, et même si c'est le temple de la forêt, voilà quoi. La tenue là n'a absolument rien à voir dans... pas obligatoire, on va dire, comme dans les temples du feu ou dans le temple de l'eau, comme les deux autres le sont. Parce que sinon, bah disons que ça serait complètement impossible de faire les temples. Alors vraiment impossible. Après, impossible, oui, je pense, en tout cas. De toute façon, on est forcé d'en avoir, de toute façon, on est forcé de les avoir, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc mais celle-ci n'a absolument pas vraiment obligatoire pour ce temps. C'est la tenue de base et en plus mais dans le temple elle n'a aucun effet particulier alors que les deux autres en ont. Donc là on arrive en haut, donc je crois qu'on a fini la salle de l'énigme. Et je pense d'ailleurs qu'on va peut-être. On va ouvrir cette porte. Donc le truc au-dessus, vous verrez tout à l'heure à quoi ça sert. Et nous arrivons dans ce couloir très très particulier. N'allons pas nous le cacher. Écoutez, sur ce, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cet épisode 15 et à la. Ce couloir est tordu. Merci Navy, tu as gâché mon outro. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Salut tout le monde!